le tour à l'école. Tu m'as pris dans toutes les positions, mais ça voulait pas marcher. Il a fallu une assimilation dans une unique ville. Mesdames, messieurs, directement du Nichols, accueillez Claudette Dion! Oh non, non, arrêtez, là, je suis pas habituée. Même quand je chantais, le monde applaudissait pas. C'est moi, Claudette, oui. La Céline en moins jeune, en moins riche, en moins bonne. Hey, je peux pas être là ce soir pour le spécial Céline et René des mecs comiques. Non, c'est parce qu'on soit un groupe d'âge d'or au Nichols pendant une grosse batch de vaisselle en retard. Mais j'ai une grande nouvelle pour vous autres. Je viens de signer une entente avec Columbia. Oui, j'achète 9 disques et j'en reçois un gratuitement. C'est bon. Non, rien de rien. Non, ben non, je ne regrette rien. Je m'appelle Lara Fabian et je voudrais me faire pardonner. Et oui, je l'avoue, ça fait 2 ans que j'essaie de copier Céline. Je voulais lui ressembler, j'ai tenté d'avoir sa carrière, j'ai même tenté de porter son linge, mais je ne peux pas. J'arrive pas à me débarrasser de ces crises de hanches-là. Ah, pardon, j'ai sacré. Oui, je l'avoue, je suis une jalouse. J'ai même fait manger ma mère de force pour qu'elle ressemble à celle de Céline. J'ai souhaité qu'elle n'ait pas d'enfant. J'ai même tenté de débrancher le congélateur pour que le sperme de René dégèle. Est-ce que je suis pardonnée? Mm-hmm. Oh, yo! J'avais tellement peur d'aller en enfer. Quoi qu'il paraîtrait que mes disques jouent là-bas. Quand même. Attends que je donne ça aux journalistes. Seigneur, je vous avais promis que si vous me permettiez d'avoir un enfant, je ferais quelque chose de bien pour l'humanité. Mais je m'en vais vous débarrasser d'elle. Climatisation de série, radio cassette avec 6 haut-parleurs et un taux de financement de 0% à l'achat jusqu'à 60 mois. La Chrysler Néon 2000, un petit côté sophistiqué qui ne passe pas inaperçu. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Un goût raffiné qui charme toujours les invités. Sentir. Ferrero Rocher, un chocolat européen qui fait sensation.
luxueux, unique. Excellente. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. Ferrero Rocher, ne jamais, mais jamais refuser un plaisir à vos amis. Vous déplaît? Solution Starfit. Le tranchoir Supreme Slicer vous facilite la tâche. Il suffit de régler la position des lames pour obtenir la coupe désirée. Le Supreme Slicer de Starfit coupe, tranche et émince les fruits et légumes à la perfection. Son contenant antidérapant ultra pratique permet de recueillir les aliments et son guide de sécurité à pommeau maintient vos fruits et légumes bien en place sans risque de vous blesser. Le tranchoir Supreme Slicer de Starfit, satisfaction garantie. Je vends mes affaires. Là, Céline, il faut faire du ménage, hein? Parce que dans notre nouveau château, là, les vieilles affaires, elles rentrent pas, OK? Ben oui, mais René, tu vas trouver ça plate, seul, dehors! La journée va être longue. Hey, René, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait une pancarte pour ma vente de garage. Ça n'a pas l'air à marcher fort, par exemple, il n'y a pas un chat. Ouais. Hé, Céline, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me pratique, cette affaire. Faut bien qu'il sorte par quelque part, ce bébé-là. D'un coup, c'est un petit gars. Ah, ça sera le fun, hein? Un petit gars avec un petit pénis. Nono, son pénis, va juste l'avoir quand tu vas être grand. Prête? Ah, je t'ai encore battu. Ah, c'est trop dur, le paquet voleur. Ah, Céline, je suis assez fière de notre petit gars, là. Ah, oh, tabarouette. Aujourd'hui, à l'école, il a fait venir ta soeur Claudette. Il chargeait 5$ à tout le monde qui voulait rire d'elle. Il s'est fait 2500$. Junior, viens voir mon main, là. Je t'ai préparé un beau souper. Moi-même. Dis pas ça, il viendra pas. Comment est-ce qu'il va, mon Junior? Salut, papa! Salut, maman! Hey, j'ai passé une bonne journée à l'école. Ah, ouais? Moi et puis deux de mes amis, on a décidé de former un groupe de musique. Oh! Mon fils chanteur! C'est le plus beau jour de ma vie! Hey, père, j'ai même trouvé le commanditaire et tout. Oh, ouais. On va être commandité par le capitaine Eyeliner. On va s'appeler les Bâtonnets. Oh. Céline, t'es bien énervée. Mais c'est parce que c'est sa fête, puis j'ai préparé une belle surprise, moi-même! Ouais. C'est beau tes cheveux, Junior. Merci, père. Mon cher Junior, c'est à ton tour de te laisser parler Ben, j'espère que ma tante Claudette est pas cachée dedans comme l'année passée. Faites-en pas, parce que l'an passé, elle t'a pas invité. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour entrer dans la maison. OK. Là, Junior, tu vas faire un vœu, puis papa et maman vont l'exaucer. N'importe quoi! N'importe quoi, on t'aime tellement! Je voudrais avoir le CD de ma chanteuse préférée. Puis c'est qui? Britney Spears! Junior! Envoie dans ta chambre!
Ah là, ça va être mieux. Tes bodyguards laissent pas passer personne. Ah, René, tu vas pas vendre ça? Ben ouais, Céline, tu n'as plus de besoin de tes vieilles broches. Ah, hey, René, René, je viens de penser à ça, là. On va-tu vendre, là, tu sais, la grosse moche, là? La grosse moche? Ouais. Hein? Eh non, Céline, on la garde, l'hélicoptère. Bon, attention, un client, attention, attention. OK, je vais faire semblant d'épousseter. OK, OK. Hey, prends pas ça, va vendre ça 10 000 piastres. 10 000 piastres? Ouais. Franchement, c'est rien qu'un vieux plumeau. Eh non, c'est la petite queue de cheval que j'avais avant. bonjour, monsieur. Y a-t-il quoi que je pourrais faire de plus pour vous aider peut-être, monsieur? Ouais, combien la cassette vidéo, là? Ça, c'est la vidéo de notre nuit de noces à Vegas. Ben, c'est 25 000 piastres. Franchement, René, on va pas vendre ça. Ben ouais, Céline, on a plein de cassettes vierges à la maison. Mais parlant de vos noces, là, c'est quoi la grosse bébite là-bas? Un de vos chameaux? Ben non! Dis bonjour au monsieur, maman! Pis la tirelire, là, ça appartenait à qui entre vous deux, ça? Ah, oh, ben c'est à moi! J'avais ça quand j'étais petite. Puis il y a 200 piastres dedans. 200 piastres? Ça t'a pris ça, cet argent-là? Ben, c'est la fée des dents qui me l'a donné pour les dents que j'ai perdues. Elle te donnait combien de la dent? 10 cents. Hey, René, je pense à ça, là. C'est-tu vrai que t'es le gérant de Garou à cette heure? Oui, madame. Ça veut-tu dire que tu vas coucher avec? Hey, il est juste 10 piastres, là-bas, aussi. René? Il était 10 piastres. Là, il vaut 2000. Céline, il a touché. Ah. Ben, je vais le prendre, là-bas. OK. 2000 piastres. Tiens, René. C'est parce que c'est juste 10 piastres, ça? Ah, ben non, ça vaut 2000, là. Céline vient d'y toucher. Couleur qui enveloppe mes cheveux de douceur et les laisse éclatantes santé, j'utilise Excellence Crème, la couleur protectrice de L'Oréal. Excellence enrobe chaque mèche d'une crème riche, hydratante et enveloppante qui ne coule pas. Une crème si protectrice que je peux colorer mes cheveux comme je veux, quand je veux. Et le gris? Mais quel gris? Excellence Crème, la couleur protectrice de L'Oréal. Je m'enveloppe de douceur, d'une magnifique couleur, parce que je le vaux bien. On le fait mille fois. Ouais. Et c'était bon. Ne manquez pas la millième de Flash. Mercredi 21h. C'est sûr que cette prise d'or, on l'aurait faite mille fois. Si j'avais jamais assez d'amis, me donnant parce que... Je me présente, je m'appelle Jean. Jean Pépu. Ah, y en a des fous, hein? Y en a-tu des fous sur la terre? Ils sont pas plus fous que nous autres. Ce vendredi 19h30 à TQS. T'en veux? Moi? Ben, vas-y. Gardez-la, votre monnaie. Parce que tous les jours, le mec extra est au prix mec valeur de 1,49$. Je t'aime? Je t'aime pas. Tous les jours de la semaine, de 16h à 18h, une nouvelle émission de radio Z et les mecs comiques. Sur une nouvelle station, Cool FM. À une nouvelle fréquence, 98,5. La seule chose qu'on a de mieux, ben, c'est Richard. Eh.
Comment est-ce qu'elle va, ma future maman, aujourd'hui? Elle va bien. Ah. Mais j'ai un peu peur, hein? Je me demande si on va être capable de s'occuper de cet enfant-là. Tu sais, là, quand tu vas broyer puis finir, on va-tu avoir assez de patience? Mais voyons, Céline, je suis capable d'en prendre, hein? Oublie pas que pendant 2 ans, je t'ai écouté chanter Incognito. Ouais. C'est vrai. Mais tu sais qu'on pourrait prendre comme parrain puis marraine? Aussi, moi, j'avais pensé à Luc Plamondon. Oh. Ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il pourrait être parrain et marraine. Oh! Oh, René! Rie pas du monde de même! Un jour, ça va nous retomber sur le nez, puis il y a du monde qui va rire de nous autres. Je la trouve bonne en asti, par exemple. Ah, puis je pensais à ça, là. Je devrais peut-être la laiter. Ah! Arrête, Céline. Je vais mourir. Regarde-toi, Saint. Hey! Pas le tiers-monde, ici. Tu sauras que depuis que je suis enceinte, les seins m'ont grossi. T'es pas sérieuse? Ça t'excite, mon gros cochon d'amour? Pas en tout. Parce que des tontons, c'est vendeur sur une pochette. Là, là, Céline, là, pose j'y aille, OK, là? OK. Alors, repose-toi et pense à rien. Ben, vas-y. Business as usual, Céline, OK? Hey, René, j'ai oublié de te dire. Un matin, il y a une voyante qui est venue puis qui m'a dit que ce serait probablement une fille. Ah, shit! Pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai gagé 50 000 sur un petit gars de Guy Cloutier. Céline, je t'écris parce que la dernière fois que j'ai essayé de te voir, tes bonnes soeurs m'ont sauté dessus et me cassé la gueule. Je pense qu'ils m'ont pas reconnu. Ça doit être pour ça que j'ai entendu René leur crier « Vite! V'là la vieille fatigante! Laissez-la voir entrer! » manque un peu de poivre. Si je t'écris, c'est pour te dire qu'on a fait une découverte importante dans notre maison. Imagine-toi donc qu'on a découvert que t'avais un autre frère. Je me doutais bien que j'en avais perdu un quelque part à un moment donné. Eh bien, comme je sais pas compter plus haut que 10, je m'en suis jamais rendu compte. Un peu de sel. Je crois que nous l'avons perdu en 1972, quand ton père l'a envoyé au sous-sol chercher des pétards. Ben, il a dû se perdre en chemin, hein, mais... comme c'est le plus intelligent de nous tous, il a réussi à survivre et à retrouver son chemin au bout de 28 ans. C'est bien indignant, ça. Déterminé comme pas un. Je suis très fier de lui. Un peu de tabasco. Ah oui, sais-tu ce que ton père a dit quand il l'a vu? Il a dit, « Pis, où est-ce qu'ils sont mes pétates? » Bye-bye, ta maman. Hein? B, S, si j'ai utilisé des mots trop compliqués, demande à René de te les expliquer. Ça va se vendre, ces petits pâtés-là. Lock and move a mountain! Yeah, le chien de Zombie! Oh! Salut, Céline! Allô, maman! Qu'est-ce que tu fais, Jean Désert? Ben oui, mais je veux pas que le bébé tombe à terre, cette affaire! Ben ça tombe pas, un bébé! Oh! Ben voyons, à des morts, reste pas dans le corps de porte! Oh! Bon, viens-t'en, là! Allô, papa! Pour moi, t'es encore maigri, toi! Ouais, bien. Là, à des morts, tu t'assis sur la chaise, puis je veux pas entendre un mot. C'est clair? Hop! J'ai dit pas un mot! Oh, mon Dieu! Des petites pelules bleues! Hey, ceux-là, il fait... Maman! Puis, Céline! Comment tu trouves la bouffe à l'hôpital? Bon, c'est pas pire.
Ça me rappelle un peu ta cuisine. Où c'est que tu penses que je prends mes recettes pour mon émission? Céline. Quoi? Faut que je te dise de quoi. Mm-hmm. Je trouve que René a pas mal vieilli. Hey, tu veux-tu me le voler, toi, ma maudite? Ben non, mais je t'ai trouvé un nouveau gérant. Oh. Monsieur Hull! Là, la démarre, t'es trop énervée, ça dérange Céline. Viens ta maison! Pourquoi tu as perdu ton chipou? Et qui est énervé? Vas-y faire une fausse couche! Bye-bye, papa! Bye-bye! Puis, Réjean, qu'est-ce qu'on fait pour relancer ma carrière? Ben voilà, Céline, que oui! Tu viens! Ouais, mais c'est quoi ça? Ben c'est un hockey, voyons donc! Dirigeant où, là? Maurice Richard, oui. Oh, Maurice Richard! Oui. Oh oui, lui, je l'aime. René m'a dit que c'était mon idole. Ben oui. Mais, j'ai pas joué au hockey, moi. Je suis pas bonne là-dedans. Ben, c'est pas grave. Wow! Shane Corson non plus, puis il fait 2 millions par année, hein? Je ris dans ma barbe. T'as même pas de barbe. Ben, je ris dans mes cicatrices, de bord. Et voyons donc, Céline. Oh, pardon. Si tu es débile léger, dis bonjour. Bonjour! Oui, que oui. Oh, que oui! OK, bye! Céline, tu t'en vas en Floride! Je viens de t'échanger contre Evan Joannès, Pierre Bellin et Michel Louvain! Oh! Voici Lock & Lock, le contenant plastique nouvelle génération de Safri. Sa bande en silicone de qualité et son système de verrouillage unique rendent le Lock & Lock totalement étanche à l'air et au liquide. Dur à cuire, il passe du congélateur au micro-ondes, vont au lave-vaisselle et leur plastique résistant vous évitera de revivre cette scène atroce. Solutionnez vos problèmes de rangement grâce à une multitude de formats. Les contenants Lock & Lock de Safri, c'est génial. Il a un plan. Il faut que j'empêche Noël d'arriver. Mais j'ai rien à mettre. Il a le style. Ce n'est pas une jupe, c'est un kilt. Tordu. Et le 17 novembre. C'est extra dingue. Le grincheux revient à la maison. Tu nous as manqué. Pour les fêtes. Jim Carrey est... Père Noël. Le grincheux. À l'affiche dès le 17 novembre. Vous voulez être sûr d'avoir les meilleures réactions à Noël? Alors, faites un saut dans le futur chez Future Shop et pensez futur pour vos présents. Économisez $350 à l'achat de cet ensemble HP de 667 MHz pour $1199 après rabais et recevez $100 de rabais additionnel en vous abonnant à Internet. Les meilleurs cadeaux pour les meilleures réactions. Future Shop, vous aimerez ce que votre futur vous réserve en magasin et en ligne. Le chialu, qu'est-ce que t'as dans la bouche? Oh, des pastilles pour la toux. Oh, t'as mal à la gorge, hein? Moi, j'en donne une de tes petites pastilles, hein? Fisherman's Friend. Vraiment pas une petite pastille au goût sucré. Voici la nouvelle pizza double fond de Pizza Hut. Une croûte mince couverte de 6 sortes de fromages, scellée sous une autre croûte mince et encore du fromage. Goûtez-y vite, ça ne durera pas longtemps. La pizza double fond chez Pizza Hut. Du goût, du choix sous un même toit. Directement de l'hôpital Notre-Dame, voici la comédie musicale, L'accouchement de Céline. Oh, tabarouette, Céline. Je suis nerveux, ça n'a pas de sens. On se créera à 20 chaud. Ben oui, mais t'as rien à faire, toi! C'est ça que je dis, comme à 20 chaud. Ha, 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 ha!
pas sortir. Je vais arrêter de pousser et vous laisser m'ouvrir. Tombe de l'instant. Drogue. Oui, oui, oui. Drogue. Non, non, non. J'entends frapper. J'ai de la misère en calvaire. Je suis en train de tout faire mon sein. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Et j'ai crié, crié, docteur, pour qu'il revienne. Et j'ai gueulé, hey, oi, gueulé. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Le bébé que j'ai dans l'estomac, au moins se sont mêlés à la banque de sperme. Né le divin enfant. Merci, docteur, et à l'éprouvette. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, il y en sort encore. Pousse, 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 les bons gros légumes. J'ai plein d'œufs qui vont savoir chanter. Seigneur, Seigneur, j'sais pas comment te dire. Merci pour le bébé que j'ai des bras. J'te ferai un chèque quand on se verra. Oh! Et une souris belle! Hey, Pat! Aujourd'hui, là, j'ai signé ma première petite chanteuse. Ah, ouais? Moi, m'occuper d'Elisabeth Blouin-Brathwaite. Hey, boy! Toi non plus, t'as pas fini d'avoir du trouble avec ta belle-mère? Ouais. Tais-toi, je t'ai dit. Arrête de m'obstiner, fatiguant. Donc, ben mou, toi, t'es encore chaud.